Yo tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour une première information officielle sur la prochaine saison de Fortnite. Alors cette vidéo risque d'être assez rapide, hein, y a pas beaucoup de choses à dire. En attendant, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de pouces bleus et pourquoi pas vous abonner si c'est pas encore fait. Merci aussi à ceux qui utilisent mon code créateur Toto et n'oubliez pas le concours Instant Gaming en description. Alors première news, n'oubliez pas qu'il y a une collaboration entre Fortnite et TikTok et que vous pouvez gagner 25 000 V-Bucks et avoir votre propre émote dans Fortnite. Pour ça c'est très simple, il suffit justement de créer une émote, que ce soit une danse, un mouvement ou autre, et la poster sur TikTok avec le hashtag nécessaire. Pour connaître tout le règlement etc, allez directement voir sur le site officiel d'Epic Games. Ce matin, pour les intéressés, j'ai sorti une compilation des meilleurs TikTok qu'on retrouve jusqu'à maintenant en termes de likes etc. N'hésitez pas à aller voir la compilation sur la chaîne, comme ça vous saurez à peu près à quoi vous attendre pour ce concours. Bon et du coup, on va directement attaquer la news principale de cette vidéo. D'ailleurs c'est la seule actualité dont on va parler parce qu'à part ça il n'y a pas grand chose de nouveau. On a eu une information très importante sur la prochaine saison et ça, ça a été trouvé hier dans les fichiers du jeu. La saison 2 du chapitre 2 a encore été repoussée. Donc à la base, elle devait arriver le 6 décembre et finalement, il l'avait repoussée au 6 février, donc dans quelques semaines. Et malheureusement, on a appris hier que cette saison sortirait finalement le 20 février, donc dans presque un mois. Ça veut donc dire que la saison 1 du chapitre 2 aura duré plus de 4 mois, ce qui est vraiment énorme et à la fois un peu lassant. Mais bon, si j'en fais une vidéo, c'est pas seulement pour vous donner cette date, c'est aussi pour vous donner les informations qu'Epic Games nous a communiquées. À compter de la mise à jour 11.50, qui sera disponible début février, Fortnite passera au moteur physique KO de l'Unreal Engine. Au lancement, notre objectif est de faire en sorte que ce changement n'affecte pas l'expérience de jeu de Fortnite. Il y aura certainement quelques accros, alors nous allons commencer par des tests auprès d'un petit groupe de joueurs. Nous allons activement examiner les retours et procéder à des améliorations au fil du temps. Donc déjà, première information, on va bel et bien avoir une mise à jour 11.50, elle arrivera dans plus d'une semaine, et à mon avis dans celle-ci, il y aura pas mal de contenu, mais surtout, de nouveaux graphismes et une nouvelle physique entre guillemets sur Fortnite. Ensuite, du fait de l'ajout de la mise à jour 11.50, le lancement du chapitre 2, saison 2, a été décalé au jeudi 20 février. Le chapitre 2, saison 2, proposera, on sait pas le mot, avec plusieurs, on sait pas le mot, mais il est encore trop tôt pour vous révéler tous les secrets de la prochaine saison. En gros les potes, les textes qui sont écrits en jaune, bah on les voit pas forcément, et ça cache les nouveautés qui arriveront dans la saison 2. Donc franchement, je sais pas de quoi il s'agit, ça peut être plusieurs événements, plusieurs récompenses, on sait pas trop, mais en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qui se cache derrière ces cases jaunes. Avant la fin de celle-ci, et là il parle de la saison 1, nous ajouterons de nouveaux défis d'ultime effort ainsi qu'un nouvel événement de 2 semaines. Suivez les réseaux sociaux de Fortnite pour connaître tous les détails dès leur publication. Donc déjà, on aura des nouveaux défis d'ultime effort, ça veut dire de l'XP, mais ça veut peut-être dire des nouveaux styles pour certains skins, et ça c'est intéressant. Et à côté, il y a quelque chose qui me plaît, c'est le nouvel événement de 2 semaines. Il pourrait s'agir d'une collaboration, maintenant c'est pas encore officiel. Par contre les gars, il y a Fortnite qui a répondu à Warner Bros Pictures, hein, je pense que vous connaissez, et ils ont dit « See you soon Harley », et je pense qu'ils parlent de Harley Quinn, donc il y a peut-être des chances que celle-ci arrive dans Fortnite à travers une collaboration avec un prochain film ou quelque chose dans le genre. Perso, ça me ferait plaisir, parce que qui dit collaboration dit récompense, dit nouveau skin, peut-être un mode de jeu, enfin voilà, de l'actualité, du nouveau, et ça, ça fait vraiment plaisir sur Fortnite. Du coup les gars, pour résumer, mise à jour 11.50 dans plus d'une semaine, avec un nouveau moteur graphique, etc. Après cette mise à jour, on aura aussi des nouveaux défis d'ultime effort, et un événement de 2 semaines que j'ai vraiment hâte de découvrir. Et puis, le 20 février, donc un jeudi, se lancera la deuxième saison du chapitre 2 avec apparemment de grosses nouveautés qui, pour l'instant, sont encore cachées. Du coup, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour que vous ne manquiez aucune des prochaines vidéos. Pensez aussi à me soutenir dans la boutique avec le code Toto. Et puis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, ça me ferait vraiment plaisir. On se donne donc rendez-vous très bientôt. Allez, ciao tout le monde. Et puis, j'attends vos retours en commentaire.